Bonjour, Église. Good morning, church. Bonjour, Église de Dieu. Alléluia. Amen. Are you present here? Est-ce que vous êtes là? If you are present, I would like to invite you to give a big shout to Jesus. Si vous êtes là, je voudrais... Alléluia. Let us give a big shout to Jesus. Acclamez bless you Jésus. All. Acclamez Jésus. Amen. Amen. Yeah, it's such a privilege to be here in this place. C'est un tel and to be in the presence of God. Et d'être Almighty. Dans la présence de Dieu Tout-Puissant. This is a day that the Lord Himself have created. Ça, c'est un jour que l'Éternel lui-même a créé. So we should rejoice. Alors Amen. Nous devons nous réjouir. Amen. Alléluia. Amen. I'm feeling that you are not happy. Je sens que There's vous n'êtes pas content. There's something wrong with you this morning. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ce matin? Alléluia. Can you express your joy? Est-ce que vous pouvez exprimer votre joie? Hallelujah. Amen. Praise Jesus. Louez le Seigneur. Amen. Amen. So, let us take our Bible. Alors nous allons prendre nos Bibles. Let us take our Bibles in the book of Luke. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc. Chapter 10. Luc chapitre 10. So we read from verse 1 to up to 20. Nous allons lire du premier verset au verset 20. The Bible is saying this. La Bible dit ceci. After this the Lord appointed 72 others and sent them two by two ahead of him to every town and place where he was about to go. He told them, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. Go, I'm sending you out like lambs among wolves. Do not take a purse or bag or sandals, and do not greet anyone on the road. When you enter a house, first say, peace to this house. If someone who promotes peace is there, your peace will rest on them. If not, it will return to you. Stay there, eating and drinking whatever they give you, for the worker deserves his wage. Do not move around from house to house. When you enter a town and are welcome, eat what is offered to you. Heal the sick who are there and tell them, the kingdom of God has come near to you. But when you enter a town and are not welcome, go in into its streets and say, even the dust of your town we wipe from our feet as a warning to you. Yet be sure of this, the kingdom of God has come near. I tell you, it will be more bearable on that day for Sodom that for that town. So I'm shifting to 70. Je vais the rest au verset you'll 17. Be reading at home. The 70 says, the 17. 72 returned with joy and said, Lord, even demons submit to us in your name. He replied, I saw Satan fall like lightning from heaven. I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all power of the enemy. Nothing will harm you. However, do not rejoice that the spirits submit to you, but rejoice that your names are written
in heaven. Amen. Amen. Yeah, that is a beautiful scripture that we read this morning. Ceci est une bonne portion de l'écriture que nous venons de lire ce matin. But there are many lessons. Il y a plusieurs leçons that we should learn this morning through this scripture. Que nous allons apprendre ce matin au travers de ce passage de l'écriture. Just a moment for me to find something that. Donnez-moi, accordez-moi un peu de temps. Site, okay. Yes. So that is a beautiful text that we read this morning. Ceci est un beau texte que nous avons lu ce matin. And the topic of this morning is. Et le thème de ce matin. Let us go where Jesus is supposed to go himself. Allons là où Jésus est supposé aller lui-même. And we're gonna experience exploit. Alors nous allons expérimenter because of the power which is working in us. À cause de la puissance qui agit en nous. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. I would like to remind someone this morning that je voudrais rappeler à quelqu'un ce matin. We are in a period that we are preparing ourselves. Nous sommes dans une période où nous nous préparons. To go and preach the gospel of Jesus. Pour aller et annoncer l'évangile de Jésus-Christ. To those à ceux who are thirsty of that. To those who are thirsty of that. À ceux qui ont soif de cela. Amen. And this is a special instruction from the church. Alors ça c'est une instruction spéciale de l'église. Because the next Sunday, parce que dimanche prochain, we are going all of us to preach. Tous nous allons aller prêcher the gospel, l'évangile, the good news of the heaven. La bonne nouvelle du royaume des cieux. Amen. And I'm sure that you are prepared to do that. Et je suis sûr que vous êtes préparé à le faire. It's not something which is strange to you. Ce n'est pas quelque chose qui vous est étrange. But it's part of the church activity. Mais cela fait partie des activités de l'église. And we have to do that. Et nous devons le faire. And if you see around us, et si vous voyez autour de nous, you see that there are many places. Vous allez voir qu'il y a plusieurs endroits. And Jesus, et Jésus, the will of God, la volonté de Dieu, is that so many people be saved. Et que plusieurs soient sauvés. Hallelujah. Amen. That is one of the things that is giving me encouragement. C'est l'une des choses qui me procure des encouragements. To see many people to be saved. De voir plusieurs être sauvés. There is no reason for someone to go to hell. Il n'y a pas de raison pour que qui que ce soit puisse aller en enfer. Because the will of God. Parce que la volonté de Dieu. Is that all the world be saved. C'est que tout le monde soit sauvé. That is the instruction that Jesus gave to his disciples when he was lifted to the heaven. Ça c'est l'instruction que Jésus a donnée à ses disciples avant de partir au ciel. Go around the nations. Il leur a dit allez par le monde. The sphere of their mission was very great. L'étendue de la mission était très grande. He says to them, go around the nations. Allez par tout le monde. If it was just depending to Jesus. Si ça dépendait uniquement de Jésus. There's no one who's supposed to go to hell. Il n'y a personne qui doit aller en enfer. Hallelujah. Amen. And in this text, dans ce passage, we can learn that those people, nous pouvons apprendre que ces personnes-là, the disciples, les disciples, they were with Jesus Christ. Ils étaient avec Jésus. They were not experienced people. Ce n'étaient pas des personnes expérimentées. They didn't went to a school, a special school. Ils n'ont pas été dans une école spécialisée. Hallelujah. But at that period, there were also schools. Mais à cette époque-là, il y avait également des écoles. But those people, mais ces personnes-là, what we learn from the scriptures, ce que nous apprenons des Écritures, they are not people who went to a big university. Ce ne sont pas des personnes qui ont été dans de grandes universités. But they are people who have been selected by Jesus. Mais ce sont des personnes qui ont été choisies par Jésus. What privilege to be selected by the Lord. Quel privilège d'être choisi. Hallelujah. Par Jésus. We have been selected by himself. Ils ont été choisis par lui-même. Hallelujah. Amen. Why we should
go where Jesus is asking us to go. Pourquoi devons-nous aller là où Jésus nous demande d'aller? I'm going to give you just three reasons. Je vais vous donner juste trois raisons. And before to and after I will give you the benefit that we can experience. Et après je vous donnerai les avantages dont nous pouvons bénéficier. Which are linked to the fact that we are going out to preach the gospel. Des avantages qui sont liés au fait que nous allons sortir et aller annoncer l'évangile. The first reason is this one. La première raison est celle-ci. Jesus is saying that Jésus nous dit que the harvest, la moisson, is great. Est grande. Hallelujah. Amen. That is the first reason. C'est la première raison. The harvest is great. La moisson est grande. That is the perception of Jesus. Ça c'est la perception de Jésus. The way that he sees the things. La manière dont il voit les choses. So, if it depends to us, alors si ça dépend de nous, we'll not see anything. Nous ne verrons rien. We'll just see people who are compromised. Nous allons simplement voir autour de nous des gens être perdus. Who are sinners. Nous allons simplement voir autour de nous des pécheurs. Who are just going to see people who are corrupted. Nous allons voir des personnes corrompues. But we'll not see that. That is a harvest. Mais nous n'allons pas voir que ces personnes-là sont la moisson. Alléluia. Amen. Those people that we consider that they are drunkards, they are ces personnes que nous considérons comme des ivrognes, des pécheurs, people, des mauvaises personnes. Those people, ces personnes-là, for Jesus, pour Jésus, they are the harvest. C'est eux la moisson. Alléluia. Amen. They are the harvest. C'est eux la moisson. And Jesus says, the harvest is great. Et Jésus dit la moisson est grande. We have to go there. Nous devons aller là-bas. We are seeing them as the sinners. Nous les voyons comme des pécheurs. But for Jesus, mais pour Jésus, it is the harvest. C'est la moisson. And Jesus said that is the time. Et Jésus nous dit c'est le moment. It's the right time for the church to go. C'est le bon moment pour l'église d'aller. Sometimes, des fois, I presume that it's not better for us to sit in the church. Des fois, j'imagine que ce n'est pas mauvais pour nous, Église, de rester assis à l'Église. When the Holy Spirit came to the first church, vous vous rappelez quand le Saint-Esprit est venu à la première Église? Quand on lit l'histoire de l'Église, those people, after they received the Holy Spirit, ces personnes, quand elles ont reçu le Saint-Esprit, the Bible says, la Bible nous dit, Peter went and he preached at that day. Ce jour-là, Pierre est allé et a prêché. And 3,000 of people, they came to Christ. Et 3,000 personnes sont venues à Christ. And they seated there. Et ils étaient assis là. And they started to build a church. Et ils ont commencé à construire l'église. And they were very comfortable with the church that have been built at that period. Et ils in étaient Jerusalem. Très contents de l'église qui était en train d'être construite là à ce moment à Jérusalem. They received grace from the Lord. Alors ils ont reçu une grâce de la part they de l'Éternel. They received the power from the Lord. Ils ont reçu la puissance but de they continued to sit in Jerusalem. Mais ils sont restés assis à Jérusalem. But that was not the vision for the Lord. Mais ça, ce n'était pas la vision du Seigneur. The vision for the Lord. La vision du Seigneur was very clear for those people. Était très clair pour ces personnes-là. To go out of Jerusalem, et sortir de Jérusalem, to go to the nations, aller vers les nations, and preach the gospel. Et annoncer l'évangile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. We are not here just for singing. Nous ne sommes pas ici simplement pour chanter. We are here because we received Jesus. Nous sommes ici parce que nous avons and reçu Jésus. Preaching that we receive in this place, et beaucoup d'enseignements que nous avons reçus en ce lieu, I think that it is enough and sufficient for us to go out. Je pense qu'ils sont suffisants et assez pour nous permettre d'aller. Those people, ces personnes-là, they've just spent a few months with Jesus. Ils ont passé juste quelques mois avec Jésus. Because it was in the period that Jesus was constituting his team. Parce que c'était pendant la période où Jésus était encore en train de former son équipe. Il était encore en train de choisir l'équipe qui travaillerait avec and lui. Remember that et rappelez-vous que the mission of Jesus la mission de Jésus was fulfilled in 3 years. S'est accomplie en 3 ans. But here, mais ici, we have people nous avons des personnes who have spent more than 5 years, qui ont passé plus de 5 ans, who have spent more than 20 years, qui ont passé plus de 20 ans. Even in a single day, mais pas même un seul jour, he haven't shared the gospel to someone. Il n'est allé annoncer l'évangile à qui que ce and soit. If we exert ourselves to preach
one person, alors si nous nous exerçons à prêcher au moins à une personne, if we are in this commitment, si nous prenons cet engagement, we will going to gain more people and more. Nous irons et pourrons annoncer et gagner des âmes davantage chaque jour. Those people, they didn't get experience of preaching. Ces gens-là n'avaient pas l'expérience de prêcher. But they were just around Jesus. Ils étaient juste autour de Jésus. Listening Jesus. Écoutant Jésus. Receiving Jesus. Recevant Jésus. And that Jesus, at that moment, et Jésus, à ce moment-là, they just think, why I have not to send those people? Pourquoi est-ce que je n'ai pas, Jésus se disait, pourquoi est-ce que je n'ai pas encore envoyé ces gens? Et la deuxième raison, la Bible nous dit, la Bible nous dit que Jésus a envoyé ses disciples vers des endroits où lui-même était censé aller. Alléluia. Amen. He was supposed to go himself. Où lui-même devait aller. But, mais, he judged himself that it was time to test those people. Il a estimé lui-même qu'il était temps de tester ces personnes. Alléluia. Amen. When we go out to preach, quand nous allons vers l'extérieur pour annoncer l'évangile, understand that il faut que nous comprenions, when we go out, quand nous sortons, we go in the place of Jesus. Nous allons à la place de Jésus. Alléluia. Amen. Because it's Jesus himself. Parce que c'est Jésus lui-même. He's the best master. He is the best master. Il est le meilleur maître. He is the best preacher. Il est le meilleur prédicateur. He is the best healer. Il est le meilleur celui qui guérit. In all section of activities that he can do. Il est le meilleur dans tout ce qu'il peut faire. Hallelujah. Amen. We are not the best. Nous ne sommes pas les meilleurs. But Jesus, mais Jésus, wanted to associate us to his mission. Voulait nous associer à sa mission. That's why the Bible says he has selected 70. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'il a choisi 70 personnes. And it is not an hazard for you to be in this place. Et ce n'est pas un hasard que vous vous trouviez dans ce lieu. Been selected by God. Parce que vous avez été choisi par selected Dieu. By Jesus. Vous avez été choisi you par have Jésus. Been selected to go and preach. Vous avez été choisi pour aller Hallelujah. Et prêcher. Someone should come to Jesus through you. Quelqu'un doit venir à Jésus au travers de vous. And those people, et ces personnes, they were just content with the numbers of people they were around. Ils étaient juste contents du nombre de personnes qu'ils avaient autour d'eux. For us, we should not be content for the people who are in this church. Pour nous, nous ne devons pas nous contenter du nombre de personnes qui sont dans cette église. If I can count, si je peux compter, we are not exceeding 3,000 people in this church. Nous ne sommes pas plus de 3,000 personnes dans cette église. Hallelujah. Amen. But God wants many people. Mais Dieu veut plusieurs. To come to him. Que plusieurs viennent à lui. Alléluia. Amen. Amen. That is the three reasons that are. Voici les trois raisons. Why we should go out and preach the gospel. Pour lesquelles nous devons sortir et aller annoncer l'évangile. Now let me tell you. Maintenant, laissez-moi vous dire. What are the benefits linked to the fact that we are going out to preach the gospel? Quels sont les avantages pour lesquels nous devons aller et annoncer l'évangile? First of all, la première, the Bible says, la Bible nous dit, they went and they come back. Ils sont partis et ils sont revenus. Jesus, et Jésus, when he was giving them the instructions, quand il leur donnait l'instruction, he says to them, il leur disait, that I'm sending you, je vous envoie, like lambs, comme des brebis, among the wolves. Au milieu des loups. Alléluia. Amen. So the harvest, alors la moisson, is not just a place, ce n'est pas un endroit, which is easy for us to go, qui est facile pour nous, où nous pouvons aller facilement. It's a difficult environment. C'est un environnement qui est difficile. Jesus says, Jésus nous dit, I'm sending you, je vous envoie, like lambs amongst the wolves, comme des agneaux au milieu des loups. But what is joyful here, mais ce qui nous réjouit ici, is that, c'est que they went out 70, ils sont partis 70, and they come back 70 et ils sont revenus à 70. Alléluia. Amen. They went like lambs, ils sont allés comme des amongst lions, au milieu des lions, in a bad environment, dans un mauvais environnement. They went and they came back. Ils sont partis et ils sont revenus. Let me tell you, brothers and sisters, laissez-moi vous dire, frères et sœurs, when we are preaching the gospel, quand nous prêchons l'évangile, we should bear in mind
mind that nous devons garder à l'esprit we are secure by God. Nous sommes en sécurité we are gardés par Dieu. Jesus. Nous sommes sécurisés par It's Jésus. Himself who is securing us. C'est lui-même qui nous garde. We are receiving security. Nous recevons sa sécurité. Alléluia. Amen. And there is no one. Et il n'y a personne. Even if this environment is very hostile for us, même si cet environnement est hostile envers nous, no devil, il n'y aura pas de mort. Il n'y aura personne able to touch those who are preaching the gospel. Qui soit capable de toucher ceux qui annoncent l'évangile. Nous pouvons être menacés. But, mais let me tell you, laissez-moi vous dire, there is no one who has the capacity to touch you. Il n'y a personne qui ait la capacité de vous there toucher. Is no one who is able to touch you. Il n'y a personne qui soit capable de Because vous toucher. The gospel Parce que l'évangile is securing you. Vous protège. And Jesus is always ahead of you to protect you. Et Jésus est toujours devant vous afin de vous protéger. Alléluia. Amen. 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 There's some people. Il y a certaines personnes. In the past. Dans le passé. When they went out to preach the gospel. Quand ils sont allés annoncer l'évangile. They came with the story that they have been converted by other religions. Ils sont venus avec une histoire selon laquelle ils ont été convaincus par d'autres religions. Amen. Amen. That should not be the case. Ça ne doit pas être le cas. There is no power beyond the power of Jesus. Il n'y a aucune puissance, aucun pouvoir au-delà de There's la puissance no kingdom de Jésus. Beyond the kingdom of Jesus. Il n'y a aucun royaume au-dessus du royaume de Jésus. Alléluia. Amen. No one has the capacity to touch you. Personne n'a la capacité de vous toucher. Alléluia. And it is justified here in this text. Et c'est justifié ici dans ce texte. It says even demons are subject to us in your name. Il disait même les démons sont soumis en ton nom. Alléluia. Amen. Demons are subject to Jesus' authority. Les démons sont soumis à l'autorité de Jésus. Alléluia. Amen. Don't fear demons. Don't fear demons. N'ayez pas peur des démons. Demons are subject to Jesus' authority. Les démons sont soumis à l'autorité de Maybe Jésus. Maybe you have heard the story of some houses that people cannot go in. Peut-être que vous avez entendu des histoires de maisons, de certaines maisons où personne ne peut se rendre. But in that houses, mais dans cette maison, there are people who need to be preached. Il y a des personnes qui ont besoin d'entendre l'évangile. The authority and the power that Jesus Allez là-bas avec go. L'autorité que Jésus vous donne. Alléluia. Amen. And those demons et ces démons who are walking in, qui travaillent là-bas they will be subject to the authority of Jesus. Ils seront soumis à l'autorité de We Jésus. Read it in the scripture. Nous le lisons dans But l'Écriture. The Bible says Jesus has been lifted. La Bible nous dit que Jésus a été élevé. And all the power et tout pouvoir, all the authority, toute autorité, all the kingdom, tout royaume, every knee, tout genou shall bow down before Jesus, doit fléchir devant Jésus. Jesus is above all authority. Parce que Jésus est au-dessus de toute autorité. Alléluia. Amen. Maybe this morning, ce matin, when we speak about going out to preach, pendant que nous parlons d'aller et d'annoncer l'évangile, peut-être que vous vous dites, je ne suis pas capable de le faire. Mais je vous dis qu'il y a le pouvoir de Jésus qui marche avec vous. Ne soyez pas effrayés, même si vous ne savez pas comment parler. Comme Jésus vous a choisi lui-même, il y a le pouvoir de Dieu qui marche en vous. I remember Moses. Je me rappelle de Moïse. The Lord gave to Moses a mission. Dieu a donné une mission à Moïse. And Moses, et Moïse, he was a little bit afraid. Il avait un peu peur. He was not afraid for the fact that to bring those people out of the Egypt. Il n'avait pas peur du fait de sortir le peuple d'Israël But d'Égypte. Moses, mais Moïse avait peur. Is someone who was born, who was living. Mais Moïse était quelqu'un qui avait vécu in the house of Pharaoh. Dans la maison de Pharaon. Et dans la maison de Pharaon, surely,
Cet homme, certainement, he have experienced the power of the house of Pharaoh. Avait expérimenté le pouvoir and dans la maison de God Pharaon. Speak to, Moses, alors quand Dieu a parlé à Moïse, go out, go to Egypt and bring my people out. Va en Égypte et fais sortir mon peuple. I'm sure that Moses was telling himself that I je suis sûr house. Que Moïse se disait en lui-même, je connais cette maison. Je connais la puissance qui agit dans cette maison. Je connais les comportements des gens dans cette maison. Je ne serai pas capable d'aller et d'accomplir cette mission. Mais Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as? Il avait juste un bâton. Hallelujah. It's just sufficient for you. C'est juste assez. And for God to do something with what you have learned and here in this place. C'est juste, c'est suffisant pour Dieu que vous puissiez aller avec ce que vous avez comme enseignement. Those portions of scripture that you know. Les portions de l'écriture que vous connaissez. Go with those portions of scripture. Allez avec cela. And speak about Jesus. Et parlez de Jésus. You receive Jesus. Vous avez reçu speak Jésus. About Jesus. Parlez de Jésus. Speak the experience of your conversion. Parlez de votre expérience de conversion. Speak how Jesus changed your life. Expliquez comment Jésus a changé votre vie. Speak about how you meet Jesus. Parlez de comment vous avez rencontré and Jésus. Speak about how Jesus is trying to help you to go. Et expliquer comment Jésus vous aide à avancer. Alléluia. And it was a strong exercise for the Lord to show to Moses that it is not impossible. Et c'était un bon exercice pour Dieu de montrer à Moïse que ce n'était pas impossible. Vous êtes envoyé par Dieu. When you are commissioned by God. Quand vous êtes envoyé par Dieu. To fulfill that mission. Pour accomplir une mission. Amen. Amen. Alléluia. Amen. And one another benefit that we have. Alors, un autre avantage que nous avons. Listen those people. Écoutez ces personnes. When they came back to Jesus, quand ils sont revenus à Jésus, they came with a testimony. Ils sont revenus avec un témoignage. If you read the instruction that Jesus is giving to them, si vous lisez l'instruction que Jésus leur avait donnée, il leur a dit, allez, preach the gospel, annoncez l'évangile, and heal people. Guérissez les malades. Those who are sick. Ceux qui sont malades, heal them. Guérissez-les. And they went to the field. Et ils sont allés sur le champ. And in the field, et sur le champ, they preached the gospel. Ils ont annoncé l'évangile. They healed people. Ils ont guéri les gens. They came with one testimony. Mais ils sont revenus what avec un témoignage. Quel était le témoignage? They were not commissioned to see demons falling. Ils n'étaient pas préparés, ils ne pensaient pas qu'ils étaient envoyés pour voir les démons tomber. But they says, Lord, listen. Mais ils ont dit, Seigneur, écoute. But the demon was subject to your authority. Les démons même étaient soumis à ton autorité. Alléluia. Amen. But the commission was not to go and see how demons were failing. Mais leur envoi n'était pas d'aller voir comment est-ce que les démons tombaient. But they have experienced something very strange. Mais ils ont expérimenté quelque chose de très étrange. They just experienced by the name of Jesus. Ils ont compris qu'au nom de Jésus, even demons were able to fall down. Même les démons tombaient. Hallelujah. Amen. What a powerful name. Quel nom puissant. What powerful name we have. Quel nom puissant the nous name avons. Of Jesus. Le nom de Jésus. Hallelujah. There is no powerful name than the name of Lord Jesus. Il n'y a pas de nom plus puissant que le nom There's de Jésus. No other name who can stand against the name of Jesus. Il n'y a aucun nom qui puisse se tenir en face du nom de Jésus. Extremely in joy because they have seen that. Et ils étaient remplis de demon. Joie parce qu'ils avaient vu les démons. Hallelujah. Amen. They were falling down. Tombés. Hallelujah. But let me tell you this morning. Mais laissez-moi vous dire ce matin. Maybe the exploit that you are expecting to see this year. Peut-être que les exploits que vous vous attendez à voir you ce, will cette experience année. That peut-être que vous allez les expérimenter. When you go out and preach the gospel. Après avoir été et annoncé l'évangile. Alléluia. Amen. And Jesus was laughing. Jesus was laughing. Jésus n'était rien. Laughing. Jésus riait. Alléluia. He was just laughing, said, "This is nothing." Alors Jésus leur disait, mais ça c'est rien. This is nothing for you.
Ça, c'est rien. Because there is something greater than this world. Parce qu'il y a des choses plus grandes and que celles-là. Greater things is that. Et les grandes choses, c'est quoi? You should be in mind. Vous devez garder à l'esprit. Not only demons are falling. Que non seulement les démons tombent. But your names. Your names. Mais vos noms. Are written in the heaven. Sont écrits dans les cieux. That is the big privilege that we have. Ça, c'est le grand privilège we que nous avons. Go out and preach the gospel. Vous pouvez aller et prêcher but l'évangile. The big benefit that we have. Mais l'un des avantages que nous avons. Our names are written in nos the heaven. Noms sont écrits dans les cieux. Alléluia. Amen. Hallelujah, church. Amen. Our names are written in nos the heaven. Noms sont écrits dans les and cieux. This is a big privilege. Et ça, c'est un grand that privilège que nous avons. We are son of God. Nous sommes les enfants de Alleluia. Dieu. Amen. So this Sunday, that Sunday. Alors, dimanche prochain. I want just to invite all of us. Je voudrais juste inviter chacun d'entre nous to this activity. De participer à cette activité. This is a great activity. C'est une grande activité. This is the mission that Jesus has given to us. C'est la mission que Jésus nous a to donnée. Go out de sortir and preach the good news. Et annoncer la bonne nouvelle. People shall be saved. Les gens doivent être we sauvés. Have not to close the door to those who don't nous know ne Jesus. Devons pas fermer la porte à ceux qui ne Hallelujah. Connaissent pas Jésus. Amen. Hallelujah. Amen. Jesus said something Jésus a dit quelque that passed chose through my head. Qui passe à mon esprit. He said to disciples, il a dit aux disciples that I'm going to my father. Je vais chez mon père. Who is your father also? Qui est aussi votre père. And there are so many places in the house of my father. Et il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. I'm always contradicting those people who are saying that many people will go to the hell. Alors je contredis toujours les gens qui disent que plusieurs iront en enfer. Docteur. Jesus said in the house of my father. Jésus dit que dans la maison de son père. Many places. Il y a beaucoup de places. So don't close the door to someone. Alors ne fermez pas la porte even à quelqu'un. Even the person that you believe that is a witch. Même la personne que vous pensez est un sorcier. Don't close the door for him. Ne lui fermez pas la porte. The Bible says, Jesus la Bible is nous dit, Jésus nous dit, in the house of the Father, there are dans many, la maison many, du many, Père, many il y a plusieurs so places. This world, alors si dans ce monde, we are 70 million, nous sommes 70 milliards, 70 billion, sorry, 70 billions, nous sommes 70 milliards de personnes. So, we think that alors nous pensons in the house of the Father, que dans la maison du Père there are 70 billion of places. Il y a également 70 milliards de maisons Alleluia. De demeures church, des enfants. I'm speaking about something which is true. Church, Jésus, je vous parle de quelque chose qui est vrai. He says that. Jésus le dit. There are many places. Il y a beaucoup de places. What means many? Que signifie beaucoup? Many is many. Beaucoup, c'est beaucoup. Alleluia. Amen. So we have to go out. Alors nous devons aller sortir. And in the book of Revelation, dans le livre d'Apocalypse, the Bible says, la Bible nous dit, I've seen billions of people j'ai vu des milliards under de personnes the throne. Sous le trône. Alleluia. Amen. The people who are supposed to be saved should be billions and billions. Les personnes qui sont censées être sauvées doivent être des milliards et des milliards. Alleluia. Amen. We have not the right, nous n'avons pas le droit ni le mandat to refuse someone to be saved. De refuser que quelqu'un soit sauvé. Alléluia. Amen. We don't have this mandate. Nous n'avons pas ce mandat. We have the mandate to bring people to Jesus. Nous avons le mandat d'emmener to les gens à Christ. Jesus. De parler de Jésus. That Jesus is good. De dire que Jésus est bon. And Jesus want to save you. Que Jésus veut vous sauver. Alléluia. Jesus want to heal you. Jésus veut vous guérir. Jesus want to change your life. Jésus veut changer votre has vie. He changed mine. Comme il a changé la mienne. Alléluia. Amen. And it's a big privilege for us to be selected. Et c'est un privilège immense pour nous d'être so, choisis. If we calculate, alors si nous calculons, the number that we are here is not enough. Le nombre que nous sommes ici n'est pas because suffisant. The Bible says, parce que la Bible nous dit workers ceux qui travaillent are not many. Ne sont pas suffisants. And Jesus, et Jésus he submitted this prayer. Il a soumis he cette said, prière. We have to pray to the Father, nous devons demander au Père the master of the field, qui est le maître de la moisson to send the workers. D'envoyer des travailleurs. Alleluia. Amen. You and I, vous et moi we are those who have been selected. Nous sommes ceux qui ont été so choisis. Let us stand and go.
Alors allons-y and preach the gospel. Et annoncer l'évangile. Jesus is good. Montrons que Jésus show est bon. That the Lord is able to change someone's life. Montrons que le Seigneur est capable de changer la vie de quelqu'un. Est-ce que vous êtes prêts à le faire? Alléluia. Amen. Let's stand on our feet and we want to Levons-nous to pray. Et nous allons prier. Amen. Amen. So we want to be many next Sunday. Alors nous voulons être plusieurs dimanche prochain. Nous voulons voir plusieurs personnes Even venir ici. In the English service. Et même dans le service so anglophone. I want you to submit this prayer to Jesus. Alors je voudrais que vous puissiez présenter cette And prière au Jesus Seigneur Jésus. Dites à Jésus Now que I'm praying maintenant je prie for myself. Pour moi-même. And I'm praying that you to send Et je prie afin que tu envoies d'autres travailleurs pour participer à cette activité. Nous voulons être parmi ceux qui sont prêts à prêcher, à annoncer l'évangile, à annoncer ta bonté, à annoncer ta bonté, à annoncer ton amour. Nous voulons participer. To see people saved. Voir les gens être sauvés. To see people coming to you. Voir les gens venir And à toi. I'm willing to participate to this activity. Et je suis désireuse de participer I à cette want activité. To be among those who are going to preach. Je veux être parmi ceux qui vont Equip aller et annoncer by your ta parole. Équipe-moi Equip par me ta by parole. Your spirit. Équipe-moi par ton esprit. Let your spirit, que ton esprit, which is working in me, qui travaille en moi, continue to work now. Continue à travailler and maintenant me. Et qu'il m'inspire inspire my thoughts. Qu'il inspire mes pensées inspire me how I can speak to someone. Qu'il m'inspire sur la manière dont je dois parler à quelqu'un present the gospel to comment someone. Je peux présenter l'évangile and à quelqu'un I'm praying this morning et je prie ce matin for you to secure me. Afin que toi tu puisses to secure your people. Afin que tu puisses secure your church. Afin que tu sécurises ton brother. Église. To afin secure que tu sécurises mon frère. We are going que tu sécurises in a hostile environment. Nous allons dans un environnement qui But est we want to be sure that you are surrounding us with Mais your nous voulons être sûrs que tu nous entoures. And we will able to fulfill the mission that Et you nous have serons assigned capables to us. D'accomplir la mission que tu nous as signée. Hallelujah. Amen. Help your church. Aide ton église. We don't want to be this church where people are just sitting. Nous ne voulons pas être cette église où But les gens sont juste assis. Nous voulons être cette église où l'église va à l'extérieur pour annoncer l'évangile. Présenter l'évangile du salut. Hallelujah. Amen. Let your Holy Spirit que ton Saint-Esprit overflow in this church. Se répande dans cette église. Overflow in our hearts. Déborde dans nos cœurs. So that we can experience afin que nous puissions the miracles that the disciple has experienced. Les miracles que les disciples ont expérimentés. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. God bless you. Soyez bénis.